Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur l'aventure Death Stranding épisode 8. Comme d'habitude, 2K 60fps, préparez un petit truc à boire, à manger, délectez-vous, régalez-vous. Et on replonge exactement là où nous nous étions arrêtés. Et c'était pas facile à dire cette phrase, je ne suis pas peu fier, je pense que ça mérite d'ailleurs. Eh, un petit like quand même, allez s'il vous plaît, abusons pas. Un petit like, faites ça pour moi. Allez c'est parti. Allez, on est donc bel et bien arrivé dans un des centres de Bridges. On vient de traverser cette fucking forêt. Et je peux vous dire que ça a chicoté parce que bah, y a des échoués dedans. Et c'est fort embêtant. Donc on va activer, on va connecter le réseau Kiral. Et on va activer tout ce qui est terminal, donner les livraisons et souffler un bon coup. Parce que franchement, clairement, on mérite je pense. Oui, bah hey, livraison d'unité d'alimentation bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai aussi quelques caisses à livrer, il me semble, non? J'ai pas ramassé des caisses en plus? Livraison. Merci. Grâce à cette unité, on devrait pouvoir alimenter le centre de district par le biais du réseau Kiral. Et d'autres endroits aussi, si ça fonctionne. Espérons que les UCA pourront faire bon usage de notre électricité. Vous permettez que je regarde? Incroyable. Comment vous avez fait? Vous savez voler? Je suis juste le boss en fait. Bon, mission complete. J'aime bien cette petite musique quand une mission est terminée, c'est vraiment stylé. Voilà, ça fait un peu... Oh là là, est-ce arrêté? Arrêtez, je vais commencer à rougir, ça va pas le faire, dis donc. Incroyable, que des rangs S. Je veux que des rangs S dans ma team. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Allez, let's go. Niveau 35, on a pris de level, c'est plus il que bien. Il ne manque plus qu'une connexion au réseau Kiral. Eh ben, let's go. Allez-y. Mais bien sûr. Et je pense qu'on va bientôt arriver enfin à la première ville du jeu. Allez, nouvelle zone débloquée. Elle est loin la ville, hein. La bande passante du réseau est une ressource limitée et chaque nouvelle structure en consomme une partie. Mais en améliorant votre niveau de connexion, la bande passante dont vous disposez augmentera. D'accord, la construction des structures nécessite de la bande passante Kiral. Vous pouvez augmenter la bande passante Kiral en augmentant votre niveau de connexion avec les clients dans chaque zone, let's go, regardez, on avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, nouveau lien établi, ferme éolienne a rejoint les UCA. Nouvelle donnée, le plus gros problème de l'humanité, la logistique, très bien. Découverte de la grève et le concept de mort, très bien. La ferme éolienne a partagé des données, vous pouvez désormais utiliser le CCP pour construire des générateurs, incroyable. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à vos menottes, demandes d'équipement et points de connexion. Et de nouvelles options ont été ajoutées aux terminaux de livraison. Accepter des commandes, commandes standard et faire une livraison. Livrer des marchandises demandées, confier la marchandise et garage. Ça fait beaucoup de choses à savoir, mine de rien. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, on n'a pas toute la zone de déverrouiller pour autant. Il reste encore des points sombres là-dedans. Cette zone est désormais connectée au réseau Kiral, ce qui vous permet notamment de voir les structures des autres joueurs. Il est plus que temps qu'on s'y mette, nous aussi. Merci encore. Vous savez, j'ai appris que le reste de votre équipe avait été anéanti. Ça rend ce que vous faites encore plus impressionnant. Vous êtes une expédition à vous tout seul. J'espère qu'Amélie s'en sort aussi bien que vous. Je me demande si elle est déjà arrivée à la ville Relais Frontières. C'est elle qui nous a confié la ferme éolienne. J'étais avec le groupe qui fermait la marche pendant qu'Amélie l'ouvrait. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Mais c'était un honneur de voyager avec elle. Quand vous la verrez, n'hésitez pas à lui répéter ce que j'ai dit. Sam, vous avez une minute? J'ai mené une expérience à partir de votre sang. Apparemment, vous étiez sur une piste. Après avoir dispersé un échantillon de votre sang sous forme d'aérosol en territoire échoué, on a remarqué une diminution de l'activité. Bien qu'il soit difficile d'en tirer des conclusions, puisqu'on n'a pas d'autres rapatriés sous la main pour faire des tests supplémentaires, ça semble quand même indiquer que les fluides corporels des rapatriés soient des répulsifs à échouer. Mama a eu l'idée de concevoir une arme pour mettre cette théorie à l'épreuve. Le prototype devrait bientôt être prêt. Et quand ce sera le cas, on voudrait vous le faire essayer. Ouh.
Une arme pour les échouer. C'est exactement ce qu'on attendait. À présent, c'est presque toute la région qui est reliée au réseau Kiral. Il ne nous manque plus que la ville relais portuaire. Revenez à la capitale relais pour prendre du matériel de secours pour le relais portuaire. Le temps que vous arriviez, on sera en mesure de vous donner le prototype terminé en personne. Encore une chose, ce n'est pas très souvent que des porteurs se rendent à cette ferme éolienne. Tant que vous y êtes, vous devriez en profiter pour prendre les commandes en attente. Inutile de revenir ici les mains vides alors qu'il y a peut-être des marchandises à livrer. Vous devriez consulter le terminal. Attends, what? Il demande de tout faire en marche arrière. Veuillez accéder au terminal. On en est là, frère? Attends. Faire une livraison, livrer la marchandise perdue. Très bien. Let's go, ça c'est fait. En plus, elle est bien endommagée pour le coup. Oh, j'ai peur de ce qui m'attend là. Je crois qu'il faut retourner. Bah, remarque, avec tous les colis qu'on avait laissés, autant y aller. Let's go. Let's go en vrai. Aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Accepter des commandes recyclées. Qu'est-ce qu'on a de beau à recycler? En déposant vos matériaux en trop dans une installation, vous augmentez la quantité entreposée sur place. Et vous pourrez utiliser ces matériaux par la suite pour fabriquer de l'équipement ou autre. Mais surtout, n'oubliez pas, chaque installation possède ses propres réserves. Les quantités disponibles ne sont pas les mêmes partout. Ne vous emballez pas. Je m'emballe pas, frère. D'accord, donc si je pose des métaux tout de suite, on va faire recycler. Ils seront ici, tout simplement. Très bien. Hop. Toujours rester appuyé sur quoi pour venir. Donc là, les métaux vont rester dans cet abri et pas un autre. Ok. Bon, on va faire un petit pipi. Thank you. Merci. Elle est morte. Elle a brûlé dans d'atroces souffrances. Ok. Let's go, ça c'est fait. Casier partagé, récupérer des matériaux dans une installation. Accepter commande. Bravo, Sam. Vous pouvez accepter des commandes ouvertes. Elles ne sont pas prioritaires comme celles que nous vous confions de façon nominative. Mais si vous allez déjà dans une certaine direction et qu'il vous reste de la place, autant en faire un peu plus, non? Ouais, t'enflamme pas trop quand même. Ces commandes ne sont pas vitales pour la mission, mais elles comptent pour les personnes concernées. Alors faites quelques bonnes actions. Calme-toi. Commande pour Sam. Ah! Ah bah dis donc. Ok. Eh ben, let's go. Eh ben, oui, faut faire marche arrière. Bravo, c'était du super boulot. Merci. La ferme éolienne que vous avez rattachée au réseau est essentielle à notre expansion. En guise de récompense, j'ai ajouté quelque chose à votre CCP. Une fonction générateur. Les générateurs rechargent les batteries de tous les appareils à proximité. Très bien. Ce que j'entends par là, ce sont les machines, les motos et tous les véhicules qui fonctionnent sur batterie. Il manquait une batterie à la moto, souvenez-vous. Donc je pense qu'on va l'activer de ce pas. Ouais. Très bien. Allez, let's go. Ok, on se prend le CCP. Porter sur le dos, prendre à la main. On s'en fiche, hein, évidemment. Hein. Voilà, sur le dos, c'est pas trop un problème. J'ai peur de ce qui se passe là, non? Oh, bien. Attends. Ok. La résine, c'est ma commande. Yes. Bah, c'est embêtant. Ok. Let's go. Aucun souci. J'ai donc de la résine à rapporter loin derrière. Ben on va essayer de le faire. Let's go, mon petit Sam. Let's go, let's go. Attendez. Eh, peut-être aussi quelques petites commandes standards. Hein, entre nous, s'il vous plaît. Bah oui, voilà. Sam, vérifie. Oui. D'accord. Et ben on va prendre celle-là. Voilà, ça fera plaisir. Let's go. On en a pris juste une, ça suffit amplement. Ok. On va la mettre sur le dos.
Allez, on est parti cette fois-ci, on va y arriver. Les menus sont pas évidents, vraiment pour le coup. Les menus sont pas évidents, je pense que... Il y avait peut-être moyen de... Je sais pas, peut-être faire un peu plus simple, tu vois. Mais c'est vrai que, frère, j'ai l'impression d'aller au bled, gros. Hein, c'est un voyage qui se prépare de longue haleine. Alors attendez, bougez pas. Marchandises. Très bien, organisé. Voilà, j'ai organisé au mieux. Let's go. Ça devrait être encore un tout petit peu mieux. Entre guillemets, un petit peu moins de poids sur le dos. Merde. Ah ouais, ça a jamais été là la sortie. Aïe. J'ai peur, hein. Ok, les gars. Faites attention sur le chemin du retour. Je vais mettre ici un bordel. On va mettre un petit panneau pour dire qu'on a enfin réussi. Attends, qu'est-ce qu'on a de drôle? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh ben, let's go, accélérer. On y va parce que ça nous attend. Putain, faut que je change mes bottes. Ça, c'est terrible. Alors, changement de bottes. Données, très bien. Marchandises. Non, c'est pas là, les changements de bottes. Oh là là, faut s'y faire au menu. Voilà, c'est là. C'est là. Herbe à pied, non. Allez, on va mettre... Vous savez quoi? On va mettre la... La casquette. Et changer de chaussures. Voilà, ça me stressait un petit peu. Les bottes sont les meilleures. Ça me botte bien, ça. Ok. Eh bien, allons-y, let's go. C'est parti, les amis. J'ai encore eu aucun screen. Je suis très triste. Personne m'a jamais croisé. Allez, on y va. Ah merde, c'est détruit ça. Hein. Les colis détruits, je les laisse là, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, qui volage? Se reposer? Eh ben, moi, je connais tes limites. Hein. Hop, je me repose. Ah, il y a quelqu'un qui a reconstruit... pour le plaisir, un petit... Bah, c'est les épaules. On sait jamais. Être toujours utile. Allez, go. Je vais faire un petit pipi, tiens. On a toujours pas fait pipi dans le jeu. Faut y aller. Épisode 8, il faut faire un petit pipi, d'accord? Si vous avez la vessie, hein, qui pousse un peu, si vous voyez ce que je veux dire, vous faites un petit pipi. Très bien. Oui, c'est toujours embêtant. J'ai beau regarder dans tous les sens. Alors, concernant les pipis. Déjà, on va les prendre... Des traces de pas retour. Oh, un pont. Attends, vu le nombre de likes qu'il a, le bro, ça peut être incroyable, non? Démonter, réparer. Améliorer la structure. Assure une alimentation électrique. Espace de personnalisation ajouté. Je vais avoir besoin de quoi concrètement? Il a un nombre de likes hallucinant. Je sais pas où ça va cette connerie. Ah bah ça va juste ici, putain, c'est éclaté. C'est éclaté ce pont. Ok. Je me suis enflammé pour rien. Ok. Hop, cascade. C'est bon, on est bien. Il a un nombre... Attends, il a mis un pont éclaté et il a un nombre de likes. Mec, je suis jaloux. Ok. Ah non, je suis jaloux de ouf. Il y a un petit S là, il y a un petit colis. Ça pourrait être sympa. Le jeu est magnifique, mais j'ai l'impression avec tous les petits bips qu'on entend et tout, d'être dans un putain d'hôpital, ça fait flipper. Oh, il a mis un champignon, c'est tellement mignon. Allez, donc ça c'est sur le dos, rien à branler. Hein. Oh. Nous voici au moment que je déteste le plus. Alors, comment on va faire? Tiens. Tiens, on a échelle un peu partout, on a des métaux, et il pleut pas encore, ça va.
Allez, ça on l'emmène. Oh, on en a jamais trop, c'est bon, c'est bon. Allez les gars, on part en rondo. Alors, faut savoir que Death Stranding, finalement, c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est pas un jeu qui plaira à tout le monde. Néanmoins, c'est un jeu qui, pour moi, se dévoile sur la fin. D'accord ? Ça peut ne pas vous plaire, je suis totalement d'accord. C'est un jeu très chill, dépaysant, très stressant à certains moments. Mais c'est un jeu spécial. Et je pense que pour l'apprécier à son maximum... Putain de merde, par où vous me faites passer, les gars ? Damn, Daniel. Il va falloir taffer comme Jaja. Attends, mais qu'est-ce que je prends comme chemin ? Je regrette déjà. Je regrette déjà. Ça va, j'ai une échelle, je vais pouvoir m'en sortir. Ok, merci. Oh là là. Oh, c'est chaud. Ok. Ok. Non, je vais tomber. Ok, on va se reposer un peu ici. Beaucoup de vent. Hein. Ok, let's go. Allez, mon petit Sam. N'oublie pas, Sam, que c'est celui qui conduit, celui qui ne boit pas. J'espère pas suivre un David Guetta-Pan. Sam. Merci. Merci. Oh. Oh, mec, tu m'en mets. C'est un guet-apens. Et découvrez David Guet-apens. Je suis dans une sauce. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est compliqué ça, non? Ah ouais, ah ouais, les bâtards, c'est tellement drôle. Ils te disent, non, vas-y, escalade, hein. Oh, sa mère. Attends, je vais mettre un panneau ici, gros. Le mec arrive à me screener ce panneau. Restecpe. Arrête. Je tiens pour nick. Ok. Eh, les gars, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça me paraît pas mal, ça. Oh la vache. Oh non, il pleut. Oh non, il pleut. Ok, non, c'est bon. C'est bon, on est tranquillement en arrière. Let's go, let's go, let's go, let's go. Je crains plus rien. Voilà. Alors, faire une livraison, ouais, ça me paraît pas mal. Livrer de la marchandise perdue. Très bien, let's go. Allez, ça c'est livré. En vrai, j'aurais même pu carrément sortir mon bordel et te livrer ça très rapidement. Mais au moins, hey, ça fait un petit peu d'XP. On crache pas dans la soupe, évidemment. Voilà, regardez, on a gagné un niveau. Allez, go. Il y a toujours cette échelle, hein. Cette échelle de l'enfer. Je sais pas comment c'est fait. Comment... Est-ce que ça marche par section? Parce que là, on retrouve les mêmes panneaux qu'on a activés. En fait, je pense que c'est des trucs de session, genre... 150 joueurs vont être connectés. Et après, ça ouvre une sorte de nouveau salon qui enregistre... Je sais pas comment ça marche. Je dis peut-être totalement du bullshit. Il faudra me pardonner. Ça va me coûter cher en droit d'auteur, hein. Encore une vidéo montée dans le vent. Quel plaisir. Bon, après... Voilà. Vas-y, un plus loin, frère. Hein. Allez. On y va. C'est bon, c'est bon. En fait, ça sert à rien de crier. C'est quoi? C'est juste un délire, en vrai, non? On y est bientôt. On est bientôt. Je reconnais mon pont. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Tellement l'impression que ma vie est nulle. T'imagines, il y a cette musique dans la tête des livreurs le matin. C'est ceux qui vont te livrer les colis et tout.
Tellement pour eux, mais toi, ça doit pas être drôle quand même d'être livreur en soi. Alors attention, il y a des livreurs par choix, hein. Mais les livreurs chronopause, vous savez, ceux qui jettent les colis parce qu'ils sont arrivés à une fin de carrière, frère, tu vois. Le mec, il veut juste enculer, en fait, tu vois. Il déteste tout le monde dans la vie, finalement, tu vois. S'il peut cracher dans ton colis, le vrai, le gars. T'imagines la souffrance du mec? Il a cette musique quand il se lève tous les matins dans la tête. En mode, mais putain, c'est ça ma vie, les gars. C'est ça, bordel. Oh là, on a un M. En vrai, je veux bien le tenter, quand même. Arrête. Ok. On va se calmer quand même. Let's go. Voilà. C'est fait. C'est bon, ça va passer. Ça va passer, frère. Ça bouge un peu, mais it's ok. Allez, on prend le chemin. Oh, il y a encore un M. Oh, j'ai envie de le tenter, hein. C'est le beau jeu, ça. Ça s'arrête plus. J'ai envie de le tenter. On y va. On y va, on fait les fous. Let's go, mon gars. On vit qu'une fois. Ça va être un bordel. En plus, regardez ma combinaison. Elle est un peu sale. Hein. Il y a du chiral dedans. Ah, arc-en-ciel. Il y a encore des échoués là-haut. On n'arrivera pas à se débarrasser de cette zone. Du carburant de secours, très bien. Tiens. Oh putain. Ça nécessite une cascade, ça. Cascade. C'est bon. Eh ben. Ok, mon pote. Ça, il y a intérêt que ça rapporte, hein, frérot. Hein. Parce que c'est un bordel. Et dites-vous que ça pourra monter encore plus haut. Hein. Ça pourra monter encore bien plus haut. Hein. Ok, let's go. Regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique, les paysages de loin et tout. Donc, comme je disais, voilà, Death Stranding, ça sera vraiment une aventure très chill. Il y aura sûrement beaucoup d'épisodes. Je préfère être caché avec vous. Mais le jeu va se révéler sur la moitié et sur la fin, surtout. Et c'est là qu'on se rendra compte de l'aventure que tous ensemble, on aura vécu. Et à contrario d'un Days Gone qui est très... Enfin... qui est très moyen finalement sur la longueur, Death Stranding va se révéler sur la longueur. Donc je comprends que certains n'accrochent pas spécialement au jeu. Mais on va être surpris. On va être surpris. Je peux vous le dire, j'en suis persuadé. J'ai aucune crainte à ce niveau-là, c'est quand même du Hideo Kojima. Qu'on le veuille ou non, il fait du très très lourd. On va prendre le pont. Voilà, on y va tranquillement. Si je cours... Si je cours, c'est terminé. Imagine, tu tombes du pont. Ça arrive. Allô ? Hey Sam. Vous pourrez sûrement remettre cette bécane en route en la chargeant avec un générateur. Attends, ma soeur. Ça vous dit d'essayer ? Ouais. Mais attends, ma soeur, quand même. C'est embêtant, là. Là, j'ai plus rien à faire. Je dois juste aller livrer ici. Là. C'est bon, le pont a été construit. Calmez-vous. Foutez-moi la paix. Calmez-vous. Centre de distribution. Capital relais. En plus, dedans, il y a ma chambre. Je sais qu'on peut briser le quatrième mur. On va essayer de le faire, si on passe à la chambre. Ça vous fera plaisir. Sacré champignon, putain. T'en manges un, il te désingue le bide. Hein. Pour appeler et saluer quiconque se trouve à proximité. Vous n'obtiendrez pas nécessairement de réponse, mais ne vous découragez pas. Essayez dans différents endroits. Quelqu'un finira par vous répondre. What? Marchandise confirmée. Merci. C'est trop stylé. Je sais pas si quelqu'un m'a déjà liké, ça m'embêterait. Enfin, ça serait je serais content, mais... Mais vous avez compris. Ça m'embêterait que ça soit quelqu'un qui a pas pu faire de screen, finalement. Ok. Allez, on va pouvoir livrer tout cela. Incroyable. On a été tranquille. Faire une livraison. Let's go. Celle-ci, déjà... Attends, toutes les marchandises demandées sont prêtes à être livrées. La commande peut donc être honorée. Ah, d'accord, ok, non, putain. C'est dingue, on est à l'épisode 8, je comprends toujours pas, frère. Les 6 caisses de résine, c'est fait. Et au centre de distribution à l'ouest, faire une livraison, c'est fait aussi. Vous venez de la faire l'éolienne avec ça? Ça a dû être une sacrée corvée. Merci beaucoup.
Eh ben, vous faites pas les choses à moitié, vous. J'ai du mal à croire qu'un homme seul puisse transporter un chargement pareil. Mais bon, vous êtes une légende. C'est vrai. Let's go! Ça, c'est un rang S, ça, quand même, non? On peut pas aller, J'accepterai pas en dessous. Bah... Bridges a fourni des données audio. Très bien. Ça, c'est du Hideo Kojima. On peut toujours réécouter les musiques et tout à chaque fois qu'on se balade. C'est plutôt cool. Niveau de connexion amélioré. Très bien, ça. Merci à toi. Kiral 3, les échoués nous tendent la main. Nouvelles données d'entretien. À mon avis, il y aura des choses à lire pour être... D'autres structures peuvent désormais être construites dans la zone du réseau Kiral. Oh, damn! Alors là, on va passer encore... Et on est encore à l'étape tuto, hein, c'est pour dire. Ça va être incroyable. J'ai l'impression que tout le jeu est un tuto, frère. Pour Death Stranding 2. Encore S. Tellement simple. Aucune difficulté. Et allez. Livraison quotidienne. C'est fait. Là, je vais gagner du level, là. Je le sens, là. Je le sens. Voilà. Déjà, 1, 2, 3, étape 4. Oh là 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 là, tout va vite. Là, je vais pouvoir bientôt transporter un peu plus de marchandises encore. Je ne connais personne qui en ait fait plus pour rapprocher les gens et les remettre sur pied. C'est incroyable que vous soyez tout seul. Je me demande si une petite armée ne se cacherait pas derrière le supervivreur. Parce qu'on dirait bien qu'à chaque fois que quelqu'un a un souci, vous êtes là pour lui prêter main forte. Du coup, je crois sans peine que vous avez vos chances d'arriver jusqu'à la côte. Bonne chance. Je suis avec vous. Amen. Alors que t'as un putain d'hologramme et t'es sûrement en train de te pignoler au fin fond d'un canap. Y'a rien qui va. Faire une livraison. Allez, livrer marchandises perdues. Donc comme ceci. Au moins on s'en débarrasse. Voilà, ça dégage, je peux le voir. Et on va recycler nos bottes. C'était pas ouf. Et on va en transporter une nouvelle, on va en créer une nouvelle, tout simplement. Toujours avoir une paire de bottes sur soi. Allez, let's go, c'est fait. Et ben voilà, marchandise confiée à un autre joueur, on est niveau 41, c'est bon ça. Alors, recycler. Recycler, on va recycler quoi? On va recycler ma paire de bottes qui est quand même dans un sale état. Voilà, ça sert plus à rien de les garder sur soi. Et on va se reconstruire une nouvelle. Pour l'instant, je construis pas beaucoup parce que tous les joueurs font le boulot. En vrai. Tous les joueurs font le boulot. C'est un peu cool. On va pas s'en plaindre. Voilà, merci madame la présidente. Merci de votre soutien sans faille. Bonjour, je suis mort dans d'atroces souffrances. Et ben voilà, c'est fait. Quoi d'autre? Récupérer des matériaux, qu'est-ce qu'on a? Tiens, 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 qui voilà-je? Hein? Non, j'ai pas envie de faire une dinguerie. J'ai pas compris pour le coup, donc j'ai pas envie de faire une putain de dinguerie. Fabriquer un équipement, par contre, ça, on va le faire. Des bottes, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Let's go. C'est fait. Ensuite, on va accrocher à la combinaison. Non, attendez. Voilà, accroché à la sangle de bottes. Et ben, let's go. Tout se passe plutôt bien. Je commence vraiment à comprendre les menus. Ça fait plaisir. Accepter des commandes. Commande pour Sam. Waouh! Urgent livraison de cryptobiotes. Ou documents confidentiels. Ok, au pire, je peux prendre ça. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Parce que c'est la mission principale. Donc, on prend. Très bien. Et ça, on prend. Oh, ça va tabasse. Assez original. Quoi ? Vous feriez bien de consulter les 30 minutes ? Bah ça prendra l'épisode prochain. Ok, 30 minutes pour livrer. 30 putains de minutes pour livrer. C'est une caisse respirante, n'oubliez pas. Pour le bien de ses passagers, évitez de l'immerger dans l'eau. Ok.
On va tout mettre sur le dos. CCP, j'en ai déjà un, me semble-t-il. J'en ai déjà. 30 minutes pour livrer un putain de tripodiote, ça va être chaud. Ça va être chaud et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est déjà la fin de notre épisode. Donc on va save directement à la capitale relais. Faites bon voyage. Mais alors clairement il va me falloir... Il va falloir que je me penche sur ça, hein. Il va falloir que je me penche sur ça, mon petit pote, hein. Mais non, putain, je suis trollé. Cryptobiote acquis. Alors attendez, 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 attendez. Parce que là, en fait, j'y arriverai juste jamais. Il me faut ça. What the fuck? Ok. Et là, je vais pouvoir prendre la moto, mon pote, je pense. C'est grand. Je m'auto-like. Parce que ça déchire. Oh, j'ai eu un like! Like attribué par. Combien? Ok. Let's go, générateur. C'est fait! Améliorer la structure. Tu veux quoi, frère? Tiens, vas-y, allez, prends. Vas-y, t'es des matériaux. Rien à foutre. D'accord. Voilà, on va même l'améliorer, mon pote. Bah alors, j'ai fait le générateur. Mais normalement. Pour info, Sam, les centres de distrib et autres installations sont bourrés de matériaux utiles pour fabriquer de l'équipement. Vous y trouverez aussi le nécessaire pour construire des structures. Cela dit, il y a des limites à ce que chaque installation peut vous fournir. Les terminaux sur place vous en diront plus. Ok, capital relais d'urgence, j'ai 30 fucking minutes. Donc il va me falloir le parcours le plus facile, entre guillemets, arpenter, putain. Eh, j'y vais en YOLO, gros. Allez, frérot. Hein. Let's go, j'ai pas le temps pour ces conneries. Hein. On va prendre le chemin, hein. Bah les couilles. Hein. Il y a trop de trucs partout. Il y a trop de trucs. Oh, putain, trop bien, après. J'ai que 30 minutes, sinon c'est cuit. Et là, imagine, le mec n'a jamais fini le pont. Oh, merci, t'es le boss. Hop, j'ai posé un like. Hein. Oh, le boss. Non. Oh, j'ai ruiné du matos. Oh, je sais pas si on va y aller. Je sais pas si on va y arriver, pardon. Mais on va devoir s'arrêter là. Rien n'est impossible. Non! Oh putain, j'en ai marre. Attendez, on est où là? On est où, on est où, on est où? Oh, mais on a déjà fait la moitié du boulot! Easy! Easy, easy. Quoi? Ah! Okay. On court, on court. Ça, c'est embêtant. Frère, qu'est-ce que tu fais? T'as quoi dans les mains? Ça va, il a qu'un bateau. J'ai peur. J'ai peur. Allez, ciao les noobs. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est plus cramé normalement, tout se passe bien. Eh bien, écoutez, le temps qu'on se dirige là-haut. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Capteur, ouais, les sont entourés de capteurs qui scannent les étiquettes marchandises. Très bien. Poussée d'adrénaline en cas de rencontre ennemie. Très bien. On va. Oh,
barré. Allez! Bon! On va dire nos adieux directement à la capitale relais parce que je peux pas save! Oh! Ah, mais fallait me le dire que vous vouliez mettre une petite musique, les gars! Ça commence à me plaire. Hop, une micro-cascade. Hop! Y'a rien qui va. C'est pas une bonne idée là ce que je fais. J'ai peut-être dû la laisser derrière cette moto. Voilà, bah il y a une petite musique, mais c'est pour ça qu'il voulait pas que je save. Je peux comprendre. Bref, quoi qu'il arrive, j'espère que cet épisode vous a plu. On arrive déjà bientôt à la capitale relais. Tout va extrêmement vite ici. Regardez comme c'est beau. On y est presque. Je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt pour l'épisode. L'épisode numéro combien ? Eh bien, l'épisode 9. Et on va se retrouver directement devant, dès le prochain épisode. Allez, à bientôt tout le monde ! Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.